Bonjour à tous, c'est Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu PS4. Je ne sais pas si ça va marcher comme je le souhaite, mais aujourd'hui c'est parti pour un deuxième épisode, parce qu'il y a l'épisode de Dragon Quest 9 qui va sortir dans le 7. Oui, faut pas que je dise des bêtises. Et je vais faire un petit épisode sur Dragon Quest Heroes. Donc on va se recréer un... une sauvegarde. Alors, poser, réfléchir est un vrai stratège, ne fuis jamais un combat. Mais moi je suis plus stratège, oui. Vous voyez, avec Fire Emblem, même si des fois je fais pas très bien tout. Et puis j'adore aussi le perso masculin. Tu parles en anglais, va falloir régler ça. Alors, on va t'appeler Anthony. Vu que mon personnage de ma sauvegarde, ben, j'avais déjà commencé lorsque le jeu est sorti, s'appelle déjà Tetsuya, alors je vais pas m'en mêler les pinceaux, je vais l'appeler Anthony, parce que c'est un prénom super mignon. D'habitude je mets 2N moi, ben, je vais remettre 2N, parce que je préfère. Et on va l'appeler Jen. Ah, si on fait trop retour, ça fait ça, ok, d'accord. Aurora, non, 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 Jen. Alors, Jen, comme ça. Alors, affichage des dégâts activés, commande activée, vibration activée, sauvegarde auto activée, bonus en ligne. Oui, pourquoi pas. Esquive R1 ou R2. Langue des voix, japonais bien sûr. Confirmé. Jouer avec des combinaisons de touches simples, idéales pour plonger dans l'action. On va mettre de commande expert pour celle-là. Ne pas éteindre lorsque ça sauvegarde. Ok. J'espère que le son va être bien pris.無限に広がる次元の遥か彼方、人間と魔物、二つの相入れぬ存在が手を携え、共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼでは、この日、年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちで賑わっていた。 あの景品を手に入れ、完璧な作戦だ。すごい、さすがね。よし、任せだって。要は当たればいいのよね。当たれば。ねえ、見て見て。 Thank you.
魔物が人を襲うなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え？じゃあコミロンも？ だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ、まずは俺が城の裏手に回りこっそり中の様子を伺ってる。その間にお前は、もしかしていつもの長い作戦？悪いけどパス。私たちヨウ様の親衛隊でしょ。早くディルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく一人じゃ何もできないくせに。 Voilà, donc je n'ai rien dit pendant la cinématique et je suis surprise que la capture vidéo soit restée activée pendant la cinématique dans certains trucs. Genre quand on démarre Naruto, ben ça ne marche pas. Très bien, donc on va au point d'interrogation. ともう準備は大丈夫？念のために戦い方をおさらいしようよ。まずメニュー画面を開いてアクション一覧を確認してみて。こんなところにまで魔物が。 Bon, pour commencer, ben on a des petits gluants. À chaque fois qu'il y a un Dragon Quest, il y a toujours au moins un gluant dans les premiers monstres à battre. Ah, Elisabeth aussi qui était derrière. Les attaques simples, c'est bien. おすすめの攻撃を使って、なんとか乗り切ろう。次は特に呪文のおさらいだよ。どっちもMPを消費して使うんだ。画面の左下にあるのがMPゲージだよ。早速特技を使ってみよう。 Très bien. Alors là, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de PM pour commencer. Ouais. ジャンプで飛び越えられるよ。魔術師だ。離れたところから魔法で攻撃してくるよ。気をつけて。魔法が飛んできたら落ち着いて三河足をすれば避けられるよ。正面からの攻撃には防御だ。うまくできればダメージを防げるよ。 D'accord, bloqué, esquive. Kokono mamono mo katazuita na. Isogo. Yokuza no ma mou sugu da. Pour l'instant, les commandes sont simples. J'ai été assez simple pour le moment. Mo, koko ni mo mamono? Isoide yatsuke nakya. Méchant gluant.
Donc le seul truc qui change par rapport au jeu DS, c'est le système de combat. Après on a toujours les mêmes objets médicinales, le nom des armes change parce que c'est pas le même random quest. Mais on peut y retrouver la lame ardente. Enfin, l'épée ardente. Celle faite avec des petites croix là. D'accord, Midi 6. Médaille. ここにいる魔物を全てやっつけておかないとな。よし、ここにいる魔物を全て片付いたようだな。この様子だと、城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。 Sauvegarde. Oui, donc je parle pas beaucoup. Ah, une autre cinématique. Comment je l'aime pas ce monstre, il est chiant en bas dans Dragon Quest. おお、勇敢なる我が親衛隊長よ。魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城の町もほとんど占拠されています。早急に作戦を練らねば。まず玉座の前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいていたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。 もう一方はその場にとどまり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいつも集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくる。魔物が攻めてくるたびに一人が攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつ。 私はとりあえず襲ってくるやつを片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのを考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら3人力を合わせればいかなる軍勢も押し返せようぞ。行くぞ行くぞ、奮い立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。 Arbera. On a passé d'un niveau, c'est bien. Jodeki dana. Yomi dori. Ajou kougeki o shikashite kita ka. Yoshi. Ore no sakusen dori ni. Mou, nagakute madorokkoshii kara pass. Yoo wa katappashi kara taoseba iin desho? Sono tori ja. Futari tomo saigo made kyounuku de nai zo. Là, il y avait encore un mage là derrière qui se cachait. Super. Il y a rien.
rien d'autre là-dedans, donc on peut aller en bas. Ah mais il en reste un ici. Donc à chaque fois que c'est le dernier monstre, il fait ce truc. La fin en ralenti, on va dire ça comme ça. Voilà, on a sauvé le château, enfin le roi qui n'avait pas besoin d'être sauvé parce que il est aussi fort que nous. Ah! Je n'arrive pas à croire que Médici ait foncé tête baissée comme ça, lui qui est plutôt du genre trouillard. Arrêtez, vous me faites mal, c'est moi Médici, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Ce ne serait pas le petit Médici que j'entends, mes amis. Je crois que votre visqueux ami ne soit en danger. Alors il faut lui porter secours, il ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Je crains que tu n'aies raison. Je crains aussi d'avoir bien évalué le nombre de monstres qui ont réussi à rentrer dans le château. Du coup, on va aller sauver Médici. Ah bah mince alors. Qu'est-ce que... Regarde combien ils sont. Mais d'où peuvent-ils venir? Pour protéger, il y a une petite tour comme dans le jeu d'échecs. Le fou et il y a sa vie en bas. C'est la cible à protéger. Si Médici meurt, et bien on a perdu le combat, on doit recommencer depuis le début. Génial, deux niveaux. Ah, il y en a des autres carrés par là-bas. Oh génial, une goutte qui tombe d'un mage. Hein. Ah, Médici est là-bas. Bon, on va finir de nettoyer le château. Donc le jeu se présente un petit peu ainsi, donc le système de combat avec des touches, des espèces de combos, comme un petit peu Naruto, sauf que c'est pas un joueur contre un joueur. Ça m'a beaucoup étonné la première fois que j'ai joué à ce jeu, parce que pour le système de combat, que j'espérais être comme un autre Dragon Quest. Et ben non. Mais finalement, en revenant dessus quelques temps après, je me suis dit finalement, bah, c'est pas trop mal. Ce système de combat, enfin, il n'est pas vraiment nul, hein. C'est juste qu'il change un petit peu de l'ordinaire. Ah, mais il peut se soigner, Médici. Ah, ils sont là les deux autres. Ah bah tous les deux dans un coup. Du lait frais. Oh mais c'est génial. Je me rappelle pas d'en avoir une. Ouais, à chaque fin de combat, ben il dit ouais, stratégie parfaite, quelque chose comme ça. Alors, ce personnage, donc le personnage principal, on n'est pas le seul à pouvoir utiliser. Il y a une ribambelle d'autres personnages qu'on va pouvoir utiliser. Si vous connaissez Dragon Quest 9 et Tulip, c'est là-bas où on va changer les personnages. Mais bien plus tard dans le jeu, enfin, un petit peu plus tard dans le jeu. Ça... Ça s'annonce être un boss. Qu'il garde une tête de la chose. Ok, donc on va devoir battre le dragon. En plus des autres... Oh,
vaut mieux se débarrasser de la petite ratée. De la petite des petits monstres avant de battre le dragon. Mais d'ici qui peut nous soigner à distance. Ah là, il y a un ingrédient. On a encore gagné du coup. Un autre ingrédient là-bas. Taritomo Yamikumo ni tatakatte wa naranzo. Kyoteki ni idomu ni wa mazu jakuten wo mikiwameru no da. Je me suis fait jarter. Dragon no jakuten wa atama to suppo ja. Yoku neratte kougeki wo tatakikome. Et voilà, c'est gagné, on va dire, le premier boss du jeu. Nous avons vaincu le dragon, la victoire est à nous. Eh non, c'était pas fini. Oh, le golem. Ouais, il y en a tellement là. Je me rappelais plus de ça. Et il y en a plein qui arrivent là-bas. Est-ce qu'on va être obligé de perdre? Mais regardez, il y a plein de golems. De perdre, je ne sais pas, mais en tout cas je vais donner tout ce que j'ai. Ah non, peut-être qu'on va devoir s'enfuir. Fidelga, tenez un petit rond. それこそが気合の砲撃よ。気合の砲撃。なんだ。体の心、力がみなぎってくる。Là, hypertension, vous connaissez sûrement si vous jouez au jeu Dragon Quest. Ah, il se met tout seul comme ça. Ah d'accord, tout comme ça. Génial. Yoshi, kanpeki da na. Ce que vous avez ressenti, mes amis, c'était l'incomparable pouvoir de la tension, une source de puissance inestimable, et la tensiolite vous en donne à revendre. Mais ce n'est ni l'heure ni le lieu pour parler de cette puissance, force. Ses usages sont innombrables et son intensité presque inconfiable. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous réjouir car notre défense acharnée a sauvé Arbera du danger, le ciel soit loué. Vous avez raison, on a réussi. Quelle équipe ? On a débloqué le pouvoir de la tension.
よし、これで一通りやっつけたわね。ってどうしたの？カッコつけてないで、あんたも素直に喜んだら？いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一層だ。そうだけど、初めは、だが、一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに、魔物たちの異変は王都でのみ起きているとは考えづらい。とすれば、もうまた長いやつ。つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください、すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ、かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃあ早く行きましょう。バクマン、バクマン行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ。できないんだね。大佐、出陣じゃ。おお。おら。Sinon ça va prendre trop de temps. Alors nous voilà à un camp de réfugiés, une armurerie, une chapelle, il y a tout ce qu'on pourrait trouver dans une ville. Bienvenue au camp Mécalis, l'avant-poste parfait aménagé à partir duquel nous partirons pour Mécalis. J'espère me fourvoyer, mais il est probable que les monstres de cette belle cité aient également sombré dans la folie. Préparons-nous au combat, même si cela nous chagrine. Bienvenue au camp Mécalis, Anthony. Nous avons aménagé ce bivouac assez rudimentaire pour vous préparer à l'aventure qui vous attend. La ville est située non loin à l'entrée du camp, mais la déesse sait quel danger vous attend en chemin. Préparez-vous comme il se doit avant de vous aventurer dans la plaine. Tout à fait. Donc j'ai gagné. Beaucoup d'ingrédients. Alors on va prendre la lame de feu. On va prendre ça, oui, ça c'est bien. Ingrédients, alors j'en ai 8 sur 30. Donc des clous de fer, du lait frais par les squelettes. Très bien, donc on va s'équiper. Donc Anthony avec l'épée de gluant. Et je peux pas encore... Bienvenue dans l'église. Donc là c'est où on va sauvegarder. Et aussi le fait de pouvoir... Comment dire ? D'écailles, on va l'acheter. Oui, non, et je vais prendre le bouclier d'acier pour Anthony. Moi j'achète tout. Mata kite kure yo na. Yoshi.
Vous n'aurez pas des ingrédients à tout hasard? Des ingrédients, c'est-à-dire... Oh, vous savez, ces machins bizarres que les monstres laissent parfois derrière eux. Des morceaux de cuir de dragon, des gulgouttes, ce genre de choses. Je pratique l'alchimie, l'art de transformer des trucs a priori insignifiants en objets. Bien plus utiles, dirons-nous. Mon alchimie marmite n'était pas encore arrivé. J'ai bien peur de ne pas vous être d'une grande aide pour le moment, mais je compte bien être prêt sans tarder. N'oubliez pas de garder tous les ingrédients que vous récolterez d'ici là. Si vous les amenez dans quelques temps, je vous fabriquerai des objets utiles. Est-ce qu'on va encore continuer? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on va aller sauvegarder. Et si cet épisode vous a plu, ben, je vous laisserai mettre dans les commentaires pour faire un autre épisode. Parce que pour l'instant, je pense que ce sera le seul épisode. Pour le moment. Et si vous avez vraiment aimé, ben j'en referai bien sûr. Parce que ben, c'est vous qui décidez. Et voilà, donc c'est la fin de Dragon Quest Heroes, le premier épisode. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette série et mettre un commentaire si vous voulez que cette série continue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous